vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent par paquets de mille, les noirs, les bicots. Ils viennent du bout du monde, mettant dans leur cabas toute la misère du monde et puis leur djellaba pour nous nuire. Traînant un parfum épicé, des kilos de thé, ils ne viennent pas en paix, tout ce qu'ils veulent c'est nous envahir. Moi qui n'ai connu toute ma vie que des visages pâles, j'aimerais qu'ils ramènent dans leur pays leur culture tribale. On fera. Emmenez-les au bout de la terre, emmenez-les au pays du Maghreb. Il me semble que les Mohamed seraient moins pénibles au soleil. Dans les blocs, au pied de leur tour, ils vendent de la drogue à foison. Dans les chichas, ils fument des petits morceaux de charbon. Mohamed tape sa sœur qui est voilée, Rachid est en prison, Brahim joue au tiercé, toutes ses allocations familiales. Mamadou a 36 frères et sœurs qui touchent le RSA, il veut être footballeur pour jouer au Barça ou au Real. Moi qui voulais l'Algérie française dans mes jeunes années, je voudrais revoir la France aux Français avant de crever. Ouais, refrain. Emmenez-les au bout de la terre, ramenez-les au pays du Sahel. Il me semble que les Mohamed seraient moins pénibles au soleil. La 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 la